Salut tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se trouve pour un full day au fitting aux Bahamas. Moi je voulais vous faire une vidéo avec la plage, le soleil, la belle eau. Finalement on se retrouve sous la pluie aux Bahamas. On a payé un day trip à genre 500 euros, pour vous dire. On va être de retour ce soir à 21h. On est parti à 9h du mat. On a eu 2 heures de route aller, 2 heures de route retour. On a 5 heures sur place et pendant les 5 heures en fait il pleut et il y a de l'orage. Donc clairement on se retrouve en train de se couvrir sous un toit. On va louer une voiturette de golf pour essayer quand même de faire le tour de l'île et on va essayer de découvrir des trucs à manger potentiellement. S'il y a moyen d'aller un peu dans l'eau, on ira un peu dans l'eau. Mais finalement le jour ne va pas se passer comme on le voulait. Ce matin du coup, shaker de whey, donc c'était 30 grammes de whey, 350 ml de lait d'amande et alors une banane pour avoir prot, vitamines. Et ensuite dans le bateau, un petit sandwich, filet de poulet, fromage tout simplement. Et donc on en est sur 320 pour le sandwich, 240 pour le matin. Donc on n'a pas grand chose dans le ventre. Il est midi, on verra ce qu'on peut trouver. Let's go. Bon les gourmands, on se retrouve tout simplement à la plage maintenant. Finalement on n'a pas pris de voiturette de golf tout simplement parce que c'était 100$ pour 4 heures. Et honnêtement, il y a 45 minutes de route jusqu'à une des plages et 45 minutes de route vers l'autre plage. On atterrit au milieu. Donc en gros, il faut juste choisir quel côté on veut. On a fait les deux, donc on a marché pendant presque 2 heures. Mais le premier côté c'est plus hôtel etc. Le deuxième, on est obligé de marcher dans le village, on va dire, des Bahamas hors tourisme, qui est vraiment très 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 pauvre. Je vous ai filmé des footages de ça et franchement c'est pas très sécurisant. Il n'y a pas du tout d'évacuation d'eau pour l'inondation qu'il y a eu etc. C'est un bordel. Mais maintenant on se trouve à la plage tout à la pointe de Bimini et on a été manger quelque chose ici. Leur spécialité c'est les coquillages appelés conch tout simplement. Et donc on va aller goûter ça tout simplement et voir ce que ça donne. On a aussi pris donc un mélange avec banane plantain, poisson et tout. On n'a pas pris tout simplement de voiture de golf parce que honnêtement 45 minutes tout le monde sait le faire. C'est vraiment la mentalité américaine de se dire tout simplement que finalement 45 minutes c'est trop. Et quand on pèse plus de 100 kg, c'est vrai que c'est pas évident. Mais honnêtement pour nous c'est un moyen d'économiser de l'argent. Ici on a payé chacun notre menu à 17€ pour un plat complet chacun. Et ensuite on va retourner au bateau. Il est déjà 14h30. Il nous reste vers 15h, on va être servi, on va manger. Puis on pourra se rincer dans la mer, avoir un peu frais pendant une heure. Et ensuite, à 16h, il faut qu'on reprenne la route vers le bateau, puisqu'il y a à nouveau 45 minutes dans l'autre sens. Et puis on est de nouveau pour jusqu'à 21h sur la route, pour seulement arriver à la maison. Donc un jour, c'est limite. Si vous voulez juste aller à la plage, ça peut le faire. Mais perdez pas trop de temps. Et ne vous faites pas avoir avec les voiturettes de golf. Franchement, foncez à la plage directe. Allez à la plage du côté le plus au nord de l'île, comme ça vous avez la nourriture pas trop chère, parce que du côté hôtel vraiment ils abusent sur la nourriture, ils vont dans les 30€ pour un bête menu. Donc franchement on va tester ça, je vous fais un débrief juste après. A few moments later. Ok les gourmands, on se retrouve tout simplement à Miami, donc après cette grosse journée avec du cottage cheese dans la main, tout simplement parce que le repas est en train de cuire. Mais pendant qu'il cuit, je mange du cottage pour finir mes protéines. Donc sur une journée comme celle-ci, au niveau alimentation, c'est très difficile de gérer. Étant donné qu'avec 3 fois un passage de douane, nourriture qui ne peut pas être transportée, etc. Difficile d'apporter ce qu'on veut avec soi. Donc on essaye de viser les protéines. Ce qui a fait que j'ai réussi à quand même espacer mes protéines sur 4 repas aujourd'hui. Donc le matin à 6h30, 7h du mat. Ensuite vers 11h du matin dans le bateau, j'ai pris un sandwich. Ensuite vers 15h, 15h30, on a mangé la friture entre guillemets en termes de poisson blanc frit. Et alors il y avait aussi des conchs qui sont tout simplement les coquillages de Bahamas. Enfin c'est une sorte de coquillage. Quand il n'y a plus quoi que ce soit dedans, on peut écouter, entendre la mer. Mais sinon c'est une sorte de coquillage qui sont tendance à pas mal manger là-bas en frit ou en salade de conch en fait tout simplement. C'est pas incroyable, moi qui aime pas trop tout ce qui est fruits de mer, j'ai pas trop kiffé. Et puis quand j'ai vu un petit peu l'hygiène là-bas pour tout ce qui est alimentaire, parce que c'est des petits bouis qui donnent à manger, et
franchement, ça m'a fait peur et j'ai pas eu trop envie de manger après ça. On a eu du riz avec ça, on a eu des légumes, mais franchement, c'était un petit peu écœurant rien qu'à voir la qualité de l'alimentation. Et donc, pas très satisfait au niveau alimentaire, pas très satisfait de la météo. Bon, ça c'est moi qui ai pas eu de chance, tout simplement, on réserve à l'avance, pas toujours savoir. Après, pas très satisfait de l'environnement parce que trois quarts de la ville est pauvre. Les voiturettes sont à 100$ pour un truc pas ouf alors qu'on a déjà payé 500 pour venir. Pour un jour, bof, honnêtement bof. Après, l'eau est bien, je vais pas vous le cacher, mais ayant réfléchi à ça, honnêtement, on est habitué à très très bien en termes de mer, de plage, etc. en Europe. Donc finalement, quand on est ici, on s'attend à avoir des trucs encore mieux, comme dans nos imaginations. Mais en réalité, Miami, les plages, c'est pas incroyable. Il y a beaucoup d'algues, etc., comme j'ai déjà dit précédemment dans une autre vidéo. Donc c'est pas ouf. Et ici, même aux Bahamas, honnêtement, ça va. Mais il faut y aller, c'est très cher, etc. Et aux alentours, c'est un petit peu bof. Donc honnêtement, ça vaut pas trop ce qu'on peut avoir en Europe. Après, je ne dis pas ce que j'ai pas dit. Là, c'est à Bimini qu'on a été. C'est la ville, l'île la plus proche des États-Unis. Si vous allez à une île plus lointaine, comme Nassau, etc., parfois c'est plus beau. Et d'ailleurs, Bimini n'a pas une des plus belles plages des Bahamas. Maintenant, c'était quand même cool. On va pas retirer que du négatif cette journée. On a visité, on a été aux Bahamas une fois dans notre vie. Là, je termine mes protéines, ce qui est du coup... Ce pourquoi je parlais de ça finalement et que je me suis éparpillé, c'est simplement que... Sur ce genre de journée où c'est assez difficile de gérer bien ses macros, le plus important c'est d'atteindre premièrement ses calories et deuxièmement avoir ses protéines pour éviter une perte de masse musculaire. Donc tout simplement, ici j'ai un objectif autour de 150 g à 160 g de protéines à atteindre par jour. 150 c'est le minimum que je dois viser pour mon poids de corps en sèche pour éviter de perdre de la masse musculaire et donc d'impacter mes performances. Et donc j'ai été obligé de rajouter du fromage blanc, enfin non ici c'est du cottage cheese où j'ai plus de fromage blanc, avant mon repas qui va être tout simplement des pâtes bolo, tout simplement parce qu'il est déjà 22h30 quand on vient de rentrer et clairement on est parti à 6h ce matin, rien n'est prêt pour manger. J'avais prévu du saumon mais en termes de calories il me reste encore 1700 calories à taper. Donc clairement, si je mange du saumon avec des pommes de terre, je vais jamais y arriver. Donc pour éviter de partir dans des choses un petit peu plus bullshit sur le reste des calories, j'ai opté pour tout simplement ce que j'ai souvent au congélateur, c'est-à-dire de la sauce bolognaise que je fais à l'avance en grande quantité que je mets au congèle avec des pâtes. Ici, 200 g de pâtes crues. Et ouais, on sait, j'arrive encore à faire 200 g de pâtes crues. Mais bon, clairement, j'ai rien mangé de la journée, comme vous l'avez vu. Enfin, pas grand-chose. Je vais manger ça. J'ai mon petit cottage ici. Je vous ai pas montré, mais j'ai aussi mes petites carottes, tout simplement parce que je vais manger 100 g de carottes en plus pour avoir des vitamines, bien que la bolognaise est faite façon plaisir et diète. Le lien sera dans la description si vous voulez la voir, du site plaisir et diète. C'est une bolognaise allégée avec beaucoup de légumes, des protéines intelligentes, etc. Donc franchement, elle fait du volume pour pas tant de calories que ça. C'est vraiment sympa, d'où le fait que j'arrive à me mettre 200 g de pâtes et 50 g de fromage dans ma bolo. Donc moi je mange ça et pour cette journée du coup, voilà ce que vous devez retenir, c'est que si vous voyagez, visez calories en premier, protéines par la suite parce que ça on peut pas les rattraper par la suite. Si ça vous fait dépasser un peu vos calories, bah faites-le parce qu'il faut mieux dépasser ses calories et atteindre ses protéines que cataboliser au niveau de la croissance musculaire, enfin, au niveau de la masse musculaire plutôt. Je suis crevé, j'ai l'air de masse musculaire. Vous me pardonnerez. J'ai voulu faire cette conclusion tout à la fin de la journée et non attendre demain parce que j'avais bien les idées claires pour en parler. Mais clairement, je suis KO, donc j'aurais peut-être mieux fait de la faire demain. Ma journée entière de full day of eating en sèche, donc actuellement avec un objectif de 2700 calories pour 5000 pas. Ce qui veut dire que tous les 1000 pas de plus, je peux rajouter un certain nombre de calories liées à mon poids et à ma dépense. Et donc finalement, avec une journée aujourd'hui autour de 20000 pas, ça me fait me retrouver à une alimentation autour des 3000 calories aujourd'hui, ce qui est quand même confortable. Donc, j'ai même pas réussi à tout manger, mais bon, honnêtement, j'ai pas vraiment plus de place dans mon ventre pour le moment. J'ai rattrapé les calories restantes, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Demain, les protéines, elles sont atteintes, c'est le plus important. Je vous mettrai les macros de la journée et les calories juste ici. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.